Hello! Excusez-moi. On se retrouve pour un nouveau tuto pour la fête du scrap avec la collection Un Noël pétillant. Donc là, ce sont des petites chutes, hein, mais c'est pour vous remontrer un petit peu le combo couleur de la collection. Donc dans les tons de bleu, de doré, de beige et de bleu marine. Donc un combo qui m'a beaucoup plu. Et on va réaliser ensemble aujourd'hui un December Daily. Donc le December Daily, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un album de Noël, entre guillemets. Voilà, c'est un album où on reprend tout ce qui se passe sur le mois de décembre. Donc par exemple, la décoration du sapin, on va mettre dedans la préparation des paquets, voilà, la déco de la maison, tous les petits éléments du quotidien de tout le mois de décembre. Donc souvent, ce sont des gros albums très très denses, etc. Moi, je vais vous en proposer un tuto de construction assez simple. Je suis partie de l'idée de la petite pochette que je vous avais fait. Je crois que c'était avec la collection Un air automnal. L'idée m'était venue, voilà, de le transformer en gros album, beaucoup plus gros et avec beaucoup plus de place pour mettre des photos. Et du coup, voilà, je vous en ai fait un petit modèle juste pour vous expliquer un peu ce qu'on va réaliser ensemble. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, là je l'ai fait avec des papiers bateaux, hein, de vieux blocs du bazar qu'on connaît tous pour vous faire un exemple. Et donc en fait, on a deux livrets superposés, voilà, deux livrets comme ceci. Au fond, on aura une petite pochette et une enveloppe. Et à l'intérieur de chaque livret, on aura six petites cascades, donc trois horizontales et trois verticales à chaque fois, sur lesquelles on viendra positionner nos photos. Alors pourquoi six? Parce qu'on a quatre pages comme ceci, où on va venir mettre nos cascades et 6 x 4, 24. Donc ça fera les 24 jours de Noël. On pourra venir, après on parlera, on en verra ensemble au moment de la déco, etc., de ce qu'on peut mettre ici. Dans l'idée ici, c'est de faire une petite pochette pour pouvoir glisser un petit livret photo avec les photos du 25. Ici, par exemple, des petits souvenirs, voilà, une petite étiquette, un petit truc que vous aurez récupéré de Noël. Et on aura ces deux grandes parties que j'avais envie de garder pour pouvoir y faire de la déco. J'y laisserai peut-être deux emplacements photos aussi, voilà, pour permettre de mettre quatre photos du 25 ici, peut-être quatre photos ici, ou même des jours suivants, parce que nous, on fait Noël avec donc ma meilleure amie et sa fille. Qui est comme ma nièce, du coup, le jour d'après. Et puis souvent, on n'est pas tous ensemble. Donc des fois, si on refait avec mes beaux-parents, par exemple, voilà, je mettrai le 25 avec ma belle-famille dans cette pochette-là. Ici, je peux me garder des emplacements photos aussi, du coup, pour faire avec ma meilleure amie le 26. Voilà, souvent, on fait le 26, mes beaux-parents, le 27, ma meilleure amie. Donc voilà, ça permet d'avoir des emplacements photos en plus. Et ici, donc, ce sera une partie uniquement déco. Et ici, donc, ce sera la couverture du DD. Donc on va le construire ensemble. Je me suis fait un petit descriptif. Pareil pour les papiers décoratifs, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner toutes les infos au fur et à mesure. Donc je vais commencer par prendre mon petit copain massicot. Et on va commencer par la partie centrale. Donc c'est celle où on aura le fond ici et qui va être la charnière pour faire tenir nos deux livrets. Donc c'est la partie principale, j'ai envie de dire. C'est celle qui permet l'armature du mini. Donc pour cela, on va couper un morceau de 22,5 cm de large. Hop, je me positionne bien sur 22,5. Donc 22,5 de large par 25,5 il est assez haut hein, pour pouvoir rentrer des cascades et que ça puisse, voilà, qu'il y ait quand même un peu d'espace autour, que ça reste joli visuellement. Je suis partie sur 25,5 en hauteur. Donc 25,5. Donc 25,5, ce sera la hauteur de tous nos papiers. Je vais vous le redire plusieurs fois, mais au cas où, voilà, vous le savez, tous vos papiers que vous allez découper pour votre structure feront 25,5 de hauteur. Hop! Donc ça, je mets de côté, ça peut toujours être récupéré. Ensuite, dans cette partie centrale, on va venir faire des petits plis. Hop, donc je change de massicot. Hop! Comme ceci. Donc là, je vais vous parler par côté. Je n'ai pas mis les plis, par exemple, 1, 2, 18, etc. Je vais vous dire de chaque côté. Donc là, vous avez votre papier qui est face à vous. On va plier sur les 22,5, donc la largeur. Sur le côté droit, on va faire un premier pli à 1,5 cm du bord. Ça sera notre rabat pour coller les livrets, en fait, le livret du bas. Donc premier pli à 1,5, côté droit. Et deuxième pli à droite, il est à 4 cm. Je vais me retourner parce que je ne peux pas faire 4 cm de l'autre côté. Donc à 4 cm. Hop là. Ça, c'est pour notre partie droite. Un pli à 1,5 du bord et un pli à 4 cm du bord.
inclus les 1,5 cm, on est bien d'accord, hein, c'est 1,5 et 4. Pour l'autre côté, pour le côté gauche, on fait un premier pli à 1,5, pareil, puisque ce sera notre rabat pour coller. Hop. Et ensuite, on va faire un deuxième pli à 6 cm. Tout simplement parce que la tranche est plus grande du côté gauche, puisqu'on a le livret du dessus qui vient s'y positionner. Donc notre tranche fait 4,5. Hop. Et de ce côté, elle ne fait que 2,5 cm. Hop là. Donc là, on a notre base de structure qui est faite. Je vais venir marquer mes petits plis. Hop. Hop. Donc là, on a la base de l'album du December Daily et les côtés qui vont nous permettre de venir fixer nos petits livrets. Alors, ces parties-là, hop, ici, je vais venir découper, comme je le fais tout le temps quand je fais un rabat, je vais venir les découper en biais comme ceci pour qu'ils ne dépassent pas et que ça ne fasse pas moche. Voilà, quand après vous venez habiller avec du papier, c'est mieux si vous avez coupé en biais comme ça, je trouve que ça ressort moins dessous, on le voit moins. Donc juste, on fait nos petits biais. Alors là, il n'y a pas de largeur prédéfinie, hein, on coupe en biais pour pouvoir venir coller ensuite. Donc là, on a fait la base de la structure. Donc on a un côté comme ceci avec une tranche de 2,5 et son rabat de 1,5 cm. Et de l'autre côté, un rabat de 1,5 cm et une tranche de 4,5. Nos petits livrets vont faire 2 cm. Les 0,5, c'est ce qui vous permettra de pouvoir mettre de l'épaisseur sur l'extérieur du rabat. Donc le... Comment vous expliquer ça? Comment dire ça comme il faut? Voilà, sur cette partie-là, si vous voulez venir y mettre des photos de chaque côté sur ces deux rabats. Et puis sur votre pochette, de pouvoir mettre du volume. Et vous avez aussi le volume de la petite enveloppe. Donc pour que ça puisse avoir assez d'aisance et que le mini ne soit pas du coup comme ça, au lieu de se fermer, il se retrouve comme ceci, on laisse 0,5 cm de plus. Donc ça, c'est la base de la structure. Ensuite, on va venir couper les livrets. Donc pour chaque livret, hop, on va avoir besoin d'un morceau de 12 par 25,5 de haut, forcément. Donc là, je vais couper mes deux. Pourquoi? Non, c'est pas bon, je dis une bêtise. Il va nous falloir un morceau de 26. Je me disais, c'est bizarre, et le pliage, il va aller où? Donc un morceau de 26 cm de large. Hop. Donc ça correspond à 12 et 12, 24, plus mes 2 cm de tranche. Hop, donc ça, on va le faire deux fois, comme ça on va découper nos deux livrets d'un coup puisqu'ils sont faits exactement de la même manière. Donc je reprends une feuille, je recoupe à 26 et après je vais venir les couper toutes les deux à 25,5 de hauteur. Donc la hauteur du mini album. Hop, ça je réserve de côté. Et donc là on fait 26 par 25,5. On a quasiment, on va aller presque sur un carré. Hop, donc 25,5 par 26. Vous remettez bien dans le sens du 26 parce que c'est là où on va venir faire nos plis. Et là, mes 25,5 sur le deuxième livret. Hop là. Donc là, vous avez la structure de base de vos deux livrets. Hop, voilà, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Ensuite, on va venir... Ah non, il y a un autre morceau à découper. Donc c'est ce que je voulais faire au début. Donc là, il va vous falloir une bande de 25,5 de hauteur. Je vais faire la hauteur en premier, c'est plus simple. J'ai un peu du mal à voir comme c'est loin de moi. Donc là, c'est vraiment, il faut que vous soyez précis sur ce morceau-là parce que c'est ce qui va venir se coller sur les livrets pour fermer vos livrets et cacher le petit rabat. Donc il faut bien être bon à 25,5 identique aux autres et 12 cm de largeur. Donc ce sera la taille la largeur des pages du livret. Hop, celui-là, je peux le jeter. Et on va en faire un deuxième, puisqu'on a deux livrets. Donc, hop, je me positionne bien à 12 cm. Et ensuite, à 25,5. Voilà. Donc là, vous avez découpé tout ce qu'il vous faut pour faire vos deux livrets. Je fais le deuxième hors caméra, mais on va en faire un entier ensemble pour que je vous montre le système. Donc, on prend bien dans le sens des 26 cm, donc dans le sens de la largeur. Vérifiez bien, parce que comme il y a très peu d'écart, on peut arriver à se tromper. Hop, et on va venir faire deux plis dessus, qui vont être la tranche de notre... J'ai perdu mon plioir, ça y est. Oh,
Où est-ce que je l'ai mis, ce vilain? Mon plieur. Ben, alors ça, c'est pas mal. Il a complètement disparu. Alors, fait quelques fouilles archéologiques, j'ai retrouvé mon plioir qui s'était caché. En fait, je l'avais mis sous l'exemple de structure. Donc, le premier pli, il va être à 12 cm, puisque ce sont, je vous l'ai dit, la largeur des pages du livre, enfin, de la structure, des pages du livret, hop, à 12, et le deuxième à 14, puisque nos tranches de livret font toutes les deux 2 cm. Hop. Donc là, vous avez fait l'essentiel. Je vais plier le deuxième comme ça, c'est fait. Je peux vous montrer après sur la structure ce que ça donne. Donc, je vous redis. On prend dans le sens des 26 cm et on fait un premier pli à 12 cm et un deuxième à 14 tout simplement pour obtenir notre petite tranche d'album, enfin de livret. Hop là. Marquez bien vos plis, hein, c'est important que ça se plie bien. Hop, donc lui, je peux le ranger. Pour l'instant, je n'en ai plus besoin tout de suite. Je vais venir marquer mes plis. Hop. Et hop. Je ne me suis pas trompée, j'ai bien fait dans les 26. Je vérifie parce que je suis capable d'avoir pris dans le sens des 25 et demi, moi. Alors, où est ma grande règle? Alors, c'est pareil, ça va être mystère et boule de chewing-gum. Je perds tout aujourd'hui, c'est une calamité. Ah, elle est là. Elle a glissé au fond de l'étagère. Non, je suis bien dans les 26 cm. Et j'ai bien 25 et demi. C'est très important. Oui, c'est... Donc voilà, on est bon. On a fait le premier. Je vais plier le deuxième pour vous expliquer l'assemblage. Hop là. Donc là, on a fait tous les éléments de base de la structure. Après, on verra pour les petites casquettes, je vous dirai ça après. Ensuite, voilà, on va reprendre notre base de structure. On va venir mettre de la colle ici. Je vous préconise de mettre de la colle, ça sera beaucoup mieux. J'ai l'impression que mes pages sont plus petites l'une que l'autre, ça me perturbe. Je ne sais pas ce que j'ai fait, est-ce que j'ai mal plié du coup? C'est peut-être au niveau du pliage que je suis pas bon. Là, j'ai combien? J'ai pas tout à fait 12 et là j'ai 12. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai plié? J'ai mal plié. Du coup, j'ai un très léger décalage. Je vais vérifier sur l'autre. Donc 12 et 12. Celui-là, elle est nickel. Mais alors l'autre, j'ai un très léger décalage. Alors c'est vraiment infime, c'est pas grave du tout. Donc votre structure, comme ça, votre U, vous venez mettre de la colle ici et on va venir le coller sur la tranche en haut, juste après la pliure. Alors, on va le faire ensemble tout de suite. Alors moi, je vais tout coller, mais je vais être embêtée après pour coller mon habillage, mettre mes structures. Non, je vais peut-être pas le coller tout de suite. Je vais vous expliquer, puis après, une fois que j'aurai collé tous mes éléments, mes papiers décoratifs, je collerai avec vous pour vous montrer, parce que sinon, je vais être gênée pour manipuler. Donc, il faudra venir le coller ici à fleurs, avec le petit rabat qui vient se coller dessus, et on viendra ensuite positionner notre morceau de 12 par 25,5 tout seul par-dessus pour fermer et pour que ça tienne bien et que la structure soit solide, voilà, comme ceci. Et on aura notre petit livret collé ici. Pour celui-ci, c'est tout bête, hein, on colle en haut du rabat. Celui du bas, il faut bien faire attention aussi à venir le coller à fleurs. Et à fleurs de ce côté-là, bien évidemment. Sinon, on n'aura pas les 0,5 qui nous restent ici pour venir travailler le fond. Il faut vraiment bien le coller à fleurs de chaque côté. Et après, venir positionner notre partie seule par-dessus pour qu'on puisse avoir un rabat qui est bien maintenu à l'intérieur. Voilà. Je ne colle pas tout de suite, je vous l'ai dit, parce que sinon, je ne pourrais pas vous montrer le système des cascades, etc., comment je les fixe à l'intérieur. Donc, on va parler papier à motif maintenant, pour vous montrer un petit peu, pour donner toutes les mesures, toutes les infos. Donc, pour la partie du fond, hop, donc il vous faut un morceau de, hop, mes mesures pour les papiers, comme ceci.
Donc, il vous faudra deux papiers pour le fond et pour l'arrière de l'album. Alors, moi, j'ai choisi le papier qui va être sur la couverture de ce livret et sur les deux tranches pour qu'il y ait une unité. Donc, au dos, j'ai gardé le même papier. Et à l'intérieur, pour le fond, je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, il fait 11,5 cm de large. Non, 12 cm de large, parce que mon fond ne fait pas 12, hein, je ne l'ai pas précisé. Ici, la partie du milieu doit faire 12,5 cm. Tout simplement pour que quand on a nos petits rabats à l'intérieur qui font 12, ça puisse venir se mettre complètement à l'intérieur et pas du coup pousser sur le côté, sinon votre album, il va pencher sur les côtés parce que vous aurez pile poil la dimension du livret. Donc, il faut bien faire attention et bien avoir 12,5, mais c'est ce que ça donnera avec les mesures que je vous ai données, ne vous inquiétez pas. Mais cette partie-là fait 12,5. Donc, il faut que votre papier fasse 12 de largeur par 25 de hauteur, puisque moi, j'enlève toujours 0,5. Après, libre à vous de mettre la longueur et la largeur que vous souhaitez. Si vous n'avez pas envie qu'on voit votre papier blanc que vous avez utilisé, par exemple, pour votre structure, ou si vous le faites directement avec les papiers de la collection, étant donné qu'ils sont par recto verso, de toute façon, vous devrez venir habiller quand même les intérieurs. Mais dans ces cas-là, si vous ne voulez pas avoir de bordure blanche, vous mettez 25,5 et 12,5. Moi, c'est parce que j'aime bien avoir le blanc ou le noir, selon le matage que j'utilise, qui ressort. Donc là, on vient coller. Celle-ci, je la colle tout de suite, c'est parce qu'après, on va venir positionner dessus la petite pochette, etc. Donc, on essaye de bien centrer. On regarde en haut et en bas qu'on est à peu près la même distance. Et ensuite, on vient le coller, comme ceci. Ensuite, donc la petite enveloppe, moi, j'ai utilisé un vieux dice que j'avais acheté sur Amazon il y a au moins 12 ans. Au tout début que je scrapais, je l'avais trouvé sympa, cette petite enveloppe. Je vous ai fait un petit schéma. Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs, le petit schéma? Je vous ai fait dans mon cahier. Voilà, je vous ai fait un schéma. Vous pourrez mettre pause pendant la vidéo pour pouvoir prendre les mesures. Alors, où est-ce que je l'ai mis, ce petit schéma? Je vous ai fait un schéma d'enveloppe avec les mesures exactes de l'enveloppe que j'ai utilisée, histoire que vous puissiez le refaire. Bah, où est-ce que je l'ai mis? J'étais persuadée de l'avoir fait dans mon petit carnet, pourtant. Bon, ça, c'était l'enveloppe d'Halloween. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la zozote. Ah, mince! Je l'ai jetée, je crois, à la page, en plus. Quelle andouille! Oui, voilà, je l'avais jeté à la poubelle. Donc ça, c'est le schéma avec les mesures exactes de l'enveloppe. Donc là, la partie centrale, elle fait 9,5 par 6,5, la partie centrale ici. Donc 9,5 par 6,5. Les petits rabats, là, ils font 2,2 cm. Et là, la partie qui est, donc là où vous coupez en biseau, à 4,5 de hauteur. Pour la partie du haut, elle fait 2,5 cm. Et là, on a 7,5 en longueur. Et pour la partie du bas, elle fait 5 cm de hauteur et 7,5 ici. Donc, exactement pareil qu'ici. Voilà, je vous avais fait un petit schéma pour vous ayez les mesures si ça vous intéresse d'en refaire une si vous n'avez pas de dies enveloppe. Après, vous pouvez la faire de la taille que vous voulez. Du moment qu'elle rentre dans l'album, il n'y a pas de taille obligatoire. Hein. Moi, j'ai pris parce que j'avais un dies pour le faire. Et que, voilà, les pliages, les calculs, des fois, je ne suis pas bonne. Donc, je me suis dit qu'au moins, avec un dies, j'étais sûre d'avoir quelque chose de juste. Donc là, je vais juste venir mettre un petit bout de scotch le long de mon rabat du bas. Hop. Donc, comme ceci, bien au bord, parce que c'est là où ça va venir coller. Hop. Et ensuite, vous venez rabattre la petite partie et votre enveloppe est faite. Donc, je vais prendre un petit velcro. Et avec un... Excusez-moi, je suis revenue un peu vite dans la vidéo. Ça fait bizarre. J'ai appuyé trop vite. Donc là, hop, je viens bien plaquer. Avant de la coller, je vais bien repasser tous mes plis pour qu'elle soit le plus plate possible pour bien se fermer et que du coup, on positionne bien le système de collage au bon endroit. Donc, je viens à peu près le centrer. Je ne vais pas mesurer, peut-être pas exagérer. Je pense qu'à l'œil, ça doit se faire. Et je positionne l'autre partie directement par-dessus. Hop. Et je viens... Ah, elle dépasse. Mes velcros sont trop grands. Bon, alors, il va falloir que je le recoupe en largeur. Je pensais qu'ils étaient plus petits que ça.
Alors, je vais le couper en deux. Voilà, comme ceci. Parce que normalement, là, ça devrait passer. Donc là, je viens mettre ma petite partie, celle qui a la partie qui accroche. Et je viens mettre ma partie plus douce par-dessus. Et je referme ma petite enveloppe pour que ça vienne se coller. Et normalement, je devrais pouvoir l'ouvrir sans problème maintenant. Ouais, nickel. Donc voilà, notre petite enveloppe est faite. Et donc, comme je vous l'ai dit, moi, je l'ai positionnée en haut. Après, libre à vous de faire l'inverse, hein. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Et là, on va s'occuper de la petite pochette du bas. Il me faut une perforatrice d'encoche. Qu'est-ce que j'ai fait de ma petite perforatrice d'encoche? Ah, mais c'est une catastrophe aujourd'hui. Je n'ai pas de tête. Je ne sais pas ce que je fais de mes affaires. Alors, fouille à nouveau. Ah bah non, j'avais bien préparé mon matériel, elle était juste à côté des produits Noël. Donc voilà. Alors du coup, je vais venir retourner mon papier. J'ai triché, j'avais même marqué le centre. Donc en fait, vous venez prendre le milieu. Donc elle fait 12, c'est donc 6 cm. Et moi, je marque à 1 cm de chaque côté pour bien positionner ma perforatrice, bien la centrer un maximum. Donc voilà, je me mets avec les deux petits traits soit en bordure de la taille de l'encoche et je viens faire ma petite encoche dedans. Ce qui permet après de pouvoir venir récupérer plus facilement si on glisse un petit livret à l'intérieur ou quelque chose comme ça. C'est plus facile de venir le récupérer s'il dépasse un petit peu un endroit au milieu. Alors bien évidemment, j'arrive pas à remettre la petite protection. Aujourd'hui, je suis complètement en mode loose. C'est-à-dire que je ne fais que des bêtises. Donc, on continue. Allez, je vais juste venir avant coller à l'arrière mon grand morceau qui va être donc l'arrière de l'album. Comme ça, c'est fait. Hop là. Donc, comme d'hab, moi, je mets un très gros scotch large et je colle seulement au centre. Ça tient en général sans problème. Après, selon le scotch que vous utilisez, il faudra peut-être que vous fassiez le tour. Hein, parce qu'il y a des scotchs qui collent moins bien que d'autres. Celui-ci, il colle vraiment très fort. Donc, une fois que c'est positionné, ça ne bouge plus. Hop là. Donc, lui. Alors, ça, c'est la droite. Et ça, c'est la gauche. Okay. Alors, après, il n'a pas vraiment de sens, ce papier-là. Donc, c'est pas trop gênant. Il faut juste bien le centrer. Hop là, bon bah je l'ai mis de travers, voilà. Fallait que je fasse ma boulette du jour. Bon après c'est l'arrière, donc c'est pas très bien, mais vous voyez, je l'ai mis un peu en biais. Donc ensuite, on va venir coller la petite pochette. Alors, elle fait 12. Les photos, en général, c'est 10 par 15. Si vous laissez le faire en papier à motif et que du coup, vous laissez 0,5 tout autour, elle rentrera sans problème. Par contre, il ne faut pas le faire avec un scotch trop large. Là, je vais prendre un scotch qui fait 0,5, 0,6, je ne sais plus, millimètre. Et je vais bien venir coller à ras le bord. Voilà, comme ceci sur toute la hauteur, des deux côtés. Et pensez bien aussi à venir coller en bas. Sinon, bah, si vous glissez un livret à l'intérieur, bah, il va se faire la malle parce qu'il ne sera pas maintenu en bas. Hop. Alors celui-là, il n'a pas une grosse adhérence. Donc, d'habitude, je m'en sers plus pour coller des petits embellissements parce qu'il n'y a pas beaucoup de poids. Bon, là, je pense que ça devrait tenir. Par contre, voilà. Et si vous avez du scotch rouge, quoi qu'il est rouge, celui qui a un collage plus fort, n'hésitez pas à mettre un scotch qui colle vraiment bien. Étant donné que vous allez venir glisser plusieurs photos, des livrets ou peut-être des étiquettes, des cadeaux que vous avez reçus, un petit mot, une petite carte que vous aviez avec vos cadeaux de Noël, pensez bien à le mettre avec du scotch qui colle bien. Donc là, pour la pochette, on se remet dans le bon sens. Donc ça, c'est le côté gauche, ça, c'est le côté droit. On vient se mettre à fleur du papier à motif, puisqu'ils font exactement la même dimension. Et je ne veux pas que ça dépasse en bas, ça ne serait pas joli. Voilà. On essaie de bien s'aligner et on vient le coller. Et du coup, on a notre petite pochette, voilà, où on pourra venir glisser. C'est ce que je vous disais, ce scotch, il n'a pas un collage oufissime. Ensuite, je vais venir coller la petite enveloppe. Hop, donc je vais couper un bout de scotch. Là, comme ceci. Hop là. Et ensuite, alors on peut la positionner. Moi, je l'ai mis
à cette hauteur-là, je pense que c'est pas mal de la mettre à peu près centrée au milieu, pas trop près de la pochette, parce qu'il faut que vous puissiez sortir votre livret sans qu'elle vienne vous gêner. Donc laissez bien 2 bons centimètres au-dessus de votre pochette, sinon vous allez avoir du mal si vous mettez un livret photo dedans à le sortir. Donc là, on a fini le fond de l'album. On va pouvoir s'occuper des livrets. Et on va d'abord découper une cascade pour vous montrer la taille des cascades, le pliage des cascades, puisqu'après on va devoir venir les positionner dans chaque livret. Donc pour les petites cascades, hop, je retourne mon papier pour avoir les mesures de la structure. Donc mes cascades, un papier. Hop, celui-là il doit être assez grand. Je vais utiliser beaucoup mes chutes pour les faire, mes cascades, parce que du coup il en faut 24. Donc ce morceau-là, il faudra le découper 24 fois. Donc il fait 11 cm de long par 9,5 de hauteur. Eh bien, on est pile poil, impeccable. Non, pas 9,5, je dis des bêtises. C'est 7,5, oulala. Donc 11 cm de long, 7,5 de hauteur. Je me disais, il est bien grand, mais ça ne va pas rentrer. Donc là, on a notre cascade qui est faite, entre guillemets. Il ne nous reste plus qu'à venir plier à 1,5 du bord, tout simplement pour pouvoir avoir un rabat et qu'elle se tienne bien. Hop. Alors, pour vos cascades, je vous encourage à bien marquer vos plis, à repasser plusieurs fois, sinon elles vont avoir tendance à se relever et ça va vous gêner, ça ne sera pas très joli visuellement. Hop. Donc voilà, passez bien dessus dans un sens, dans l'autre. Essayez de l'aplatir au maximum pour qu'elle se tienne bien. Donc ça, ce sont nos petites cascades. Pour les habiller, moi, j'ai découpé des morceaux de papier qui font... Alors, mes papiers à motifs de cascade. Où est-ce que j'ai mis les cascades? Alors, ils font 9 cm de longueur. J'enlève toujours 0,5 par 7 de hauteur. Tout simplement parce que je veux que ma photo... On voit quand même le papier en dessous. Voilà, mes photos font 8,5 par 6,5. Il faut qu'on puisse voir un petit peu le papier. Alors, il faut penser, quand vous allez découper vos morceaux-là, il ne faudra pas en faire 24, il faudra en faire 48 en tout. Puisque moi, j'ai choisi d'habiller mes cascades. Alors, si je ne vais pas mettre le même papier recto verso, hein, mais si, je vais mettre à chaque fois le même papier recto verso. Voilà, donc il faut découper pour chaque cascade le papier en deux fois. Donc, deux fois 9 cm de long par 7 cm de haut. Parce que du coup, sur le dessus, moi, je vais faire, vous allez voir après, un petit montage déco avec le chiffre 1, par exemple, pour la première. Et au dos, il y aura la photo avec un petit élément de texte, un petit journaling sur une étiquette, ce genre de choses. Mais il faut bien penser à découper, du coup, pour chaque cascade, 2 morceaux. Sauf si vous souhaitez mettre uniquement de l'autre côté une photo. C'est tout à fait possible. Vous pouvez même venir travailler un fond avec des encres et pochoirs, etc. Moi, je n'avais pas envie d'avoir de patouille dans cet album-là, mais c'est totalement possible. Pareil pour l'autre côté. Si vous n'avez pas envie d'avoir, vous avez peur d'être juste en papier, vous pouvez venir travailler avec des encres et pochoirs. Moi, c'est mon choix de mettre du papier, mais ça n'est absolument pas obligatoire. Donc là, on va passer à l'habillage de la structure. Hop, je vais mettre de côté mes petits rectangles pour les cascades. Hop. Donc pour notre structure, hop, on va voir ensemble tout ce qu'on a besoin pour chaque livret. Donc là, on a notre premier livret et le deuxième livret. Hop. Donc je vais en prendre un pour pouvoir faire avec vous. Donc là, on a notre livret qui s'ouvre comme ceci. Alors, pour l'intérieur, j'ai choisi, moi, le papier de la collection que je trouvais le plus neutre. Parce que je trouve que sur celui-ci, toutes les couleurs ressortent bien. Je vous ai mis mes petites chutes. Ouais. J'avais gardé à côté toutes mes petites chutes. Je voulais juste vous montrer pourquoi. Je trouve que sur ce papier beige, eh ben, tout ressort vraiment bien. Même les étoiles, même les motifs, voilà, plus blancs. Tandis que si j'avais fait sur... Alors, sur un foncé, ça serait bien ressorti, mais je trouvais que du coup, c'était un peu sombre de vraiment prendre le plus foncé. Et du coup, je trouve que c'est le papier de la collection qui va permettre le plus de mettre en valeur les différents coloris ensuite. Donc, je vais commencer par coller l'intérieur. Donc, il vous faudra 2 morceaux de 11,5 de large par 25 de hauteur et une petite bande de 1 pour mettre au centre dans la tranche de 1,5 cm de large par 25 cm de hauteur, bien évidemment. Donc, je vais coller ça
Donc c'est peut-être un peu long, mais je voulais vraiment vous montrer comment je fixe mes cascades, etc. Donc j'ai besoin de pouvoir habiller ma structure pour vous le montrer. J'ai fait une bêtise. Alors, deux options s'offrent à vous pour le collage des cascades. C'est pour ça que je vais coller, je vais pas coller, je vais pas coller tout de suite. Alors, vos cascades, elles sont comme ceci avec un rabat d'1,5 cm. Soit vous venez les coller comme ceci, mais dans ce cas-là, on verra votre petite partie blanche. Alors, vous pouvez venir l'habiller, etc. C'est pas du tout gênant. Soit vous venez positionner vos trois cascades, vos trois hauteurs de cascades, et vous venez tracer dans votre papier de fond. Moi, c'est ce que je voulais faire d'ailleurs. Il faut heureusement que je n'ai pas collé à fleurs. Je vais venir tracer les encoches pour pouvoir venir glisser à l'intérieur mes petites cascades. Je ne sais pas si c'est bien clair. Vous mettez votre cascade à la position que vous souhaitez, donc là à peu près. Vous tracez avec un cran de papier votre petit trait pour dire à quelle hauteur s'arrête votre cascade. Et une fois que vous avez coupé avec le cutter, vous venez glisser et votre cascade, vous l'en collez ici, le scotch, et du coup, elle va repasser à l'intérieur et vous pourrez la maintenir. Et quand vous allez après coller vos structures, du coup, ce sera beaucoup plus pratique d'avoir la cascade qui est à l'extérieur. Ça vous évite d'avoir ce petit rabat de visible. Donc, je ne vais pas coller mon intérieur, moi, parce que du coup, je vais faire comme ça. Je vais uniquement coller la bande centrale parce que là, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas d'encoche à faire. On va en faire une ensemble, hein, vous inquiétez pas. Je vais juste hors caméra recouper mes autres cascades parce qu'il m'en faut 6. Et puis on va le faire ensemble. Hop. Je vais vous le faire voir au moins une fois pour que vous ayez vu comment je fais. Hop là. Donc là, je vais me mettre bien comme il faut. Bien droit. N'hésitez pas à tourner, moi je le fais tout le temps, je tourne ma structure 50 fois pour vraiment me positionner correctement. Ça vous évite d'avoir des gros décalages après quand vous venez positionner vos différents éléments. Donc là voilà, ma petite tranche est collée, par contre ça je ne le colle pas, je vais juste coller l'extérieur. Donc là votre livret il est comme ceci, ça c'est l'intérieur, là on a l'extérieur. Là on va venir habiller la partie de l'arrière. Donc moi j'ai choisi ce papier-là parce que pareil, je trouve que dessus tous les autres vont super bien ressortir. Alors j'ai essayé de choisir des papiers où que je travaille avec des décos, tamponnages, etc., des die-cuts de la collection ou des papiers à motifs de la collection. Je voulais que ça ressorte bien, donc j'ai pris des papiers multicolores, j'ai envie de dire, où il y a toutes les couleurs du combo, ce qui permet de venir vraiment travailler ce qu'on a envie dessus, mais avec des motifs légers. Pour que quand on met des choses par-dessus, ça, voilà, ça soit joli quand même. Donc là, on essaie de bien se caler. Là, c'est pas mal. Et on colle. Donc ça, c'est l'arrière. Sur cette partie-là, on ne colle rien parce qu'on va venir glisser notre rabat. Elle est où ma base? Voilà. On va venir glisser notre petit rabat entre. Donc la partie qu'on va venir décorer, c'est bien celle qui est toute seule. Attention, ne vous trompez pas. Ça serait dommage de gaspiller du papier ici, surtout que c'est une grande longueur, alors qu'en fait, on n'en a pas besoin. Donc ici, hop, je viens prendre mon scotch. Oups. Hop là. Et je me mets bien comme il faut. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Hop là, donc ça, ce sera la couverture du livret. Et la couverture aussi du mini. Ensuite, on va avoir une tranche. Alors, la tranche, elle ne va pas ici, ne vous trompez pas. Ça, c'est collé à l'intérieur de notre armature. Donc, alors, c'est même ce livret-là, du coup, que je viens de faire, pas l'autre. Parce que, du coup, c'est la tranche de 2 cm que j'ai dans cette pile-là. Donc, là, ce sera cette tranche-là qu'on va habiller. Donc, c'est ici qu'on vient coller la petite tranche. Donc, là, on a 2,5. Donc, je suis partie sur du 2 cm par 25, tout simplement. Hop.
Alors faites bien attention, moi j'ai collé mon papier de travers, je vais essayer de rattraper un petit peu en essayant de mettre bien droit celui-là. Mais dans l'idée, comme moi il est travers, ça va être compliqué d'être vraiment au même niveau, mais essayez de bien vous aligner. Et là, j'avais préparé les papiers pour l'autre livret. Donc je vais tout de suite venir coller la tranche de l'autre côté. Comme ça, c'est fait tout de suite. J'y reviens plus dessus. Le mini-album, alors je vous le dis, pendant que je colle comme ça permet que je vous laisse pas attendre sans rien dire. Le mini, vous ne le verrez pas terminé. Tout simplement parce que c'est un December Daily qu'on n'est pas encore en décembre. Donc forcément, je n'ai pas mes photos. Les photos de l'an dernier, j'ai déjà fait un December Daily que je n'ai pas pu vous montrer parce que dedans, il y a des photos de mon petit filleul que ses parents ne souhaitent pas voir apparaître sur les réseaux sociaux. Alors j'aurais pu vous le montrer en mettant des étiquettes, etc. Mais alors moi, j'aime pas du tout. J'ai du mal avec les albums où on ne voit pas. On ne voit pas les photos, donc je ne l'ai pas montré. Cette année, ils ne seront pas avec nous le soir du réveillon normalement. Donc du coup, je pourrais certainement vous le montrer, mais beaucoup plus tard, puisque je le ferai une fois que Noël est passé, bien évidemment. Donc là, voilà, on a fait ça, et notre petit livret va venir se positionner ici. Donc il ne me reste plus qu'à habiller en papier l'autre livret. Je vais le faire hors caméra pour aller un petit peu plus vite. Et je vais peut-être comment, ouais, je vais commencer sur celui-là par vous montrer pour le système des cascades. Ça sera fait comme ça. Hop, ça, j'ai mis de côté. J'en aurai pas besoin tout de suite. Donc, pour nos petites cascades, je vais prendre celui où je n'ai pas mis de scotch. Ça sera plus simple pour découper dedans. Donc, je vais prendre mon tapis où je peux découper dessus. Hop, c'est le bon. Oui, c'est celui qui est tout abîmé. Donc, nos petites cascades. Alors, je vais découper hors caméra les six autres, les cinq autres pour que je puisse vous les positionner et vous montrer. Alors, j'ai coupé hors caméra toutes mes petites cascades. Hop, je me rapproche. Mon crayon de papier. Oh là là, mais c'est une catastrophe aujourd'hui. Je n'ai pas de tête. Je perds toutes mes affaires. Crayon de papier, qu'est-ce que j'en ai fait? Ben, je vais en prendre un autre, c'est pas grave. Hop. Il est moins taillé, ça va être moins pratique, mais bon, c'est pas grave. Donc là, tout simplement, je vais venir prendre mon papier de fond. Je vais positionner mes petites cascades. Alors d'abord, les trois horizontales. Voilà, c'est plus simple d'abord de positionner celles-ci et après de venir faire pour les suivantes. Donc vous calculez à quelle hauteur vous allez les mettre, l'espacement entre chacune, etc. Donc moi, je vais partir comme ça au niveau de l'espacement. Donc j'enlève les deux autres pour l'instant. Je vais me mettre bien droite. Et je vais venir faire une petite marque tout du long. Alors, pas besoin d'appuyer comme une sauvage. Là, j'appuie un peu comme une sauvage. Il faut bien venir jusqu'au bout et voir 1 mm plus loin pour que votre cascade puisse se tenir. Ensuite, je viens positionner la suivante parce que je vais tout découper d'un coup. Je vérifie que je suis bien alignée. Je vous conseille, voilà, je l'avais préparé exprès, de prendre une règle pour bien vous mettre droite. Et que du coup, vous n'ayez pas un décalage trop important, sauf si vous avez envie de les décaler. Mais moi, ce n'est pas mon cas, je veux qu'elle soit bien droite. Il faut que ma règle soit droite déjà, ça sera pas mal. Je suis bien sur la même ligne, pas tout à fait. Alors. Là, j'étais au milieu du motif. Pourquoi je ne suis pas au milieu du motif pour tomber pile? Hop là, là, ça me paraît plutôt pas mal. Donc comme tout à l'heure, je trace ma ligne où je vais venir découper. Et ensuite, je vais positionner la dernière. Donc je vais lui laisser le même espacement. Je ne veux pas qu'il y ait trop d'espacement entre chaque. Hop là. Et je viens tracer tout le long. Ensuite, je vais venir prendre mon petit cutter. Moi, je prends le petit cutter précision. J'aime mieux pour parce que c'est plus facile à prendre en main. Donc je viens me mettre sur mon trait. Vous allez peut-être voir un peu mon crâne, je suis désolée. Hop. Et je viens tracer vraiment sur toute la longueur que j'ai marquée. Et je fais ça pour mes trois petites cascades. Alors je vous conseille, c'est pour ça de les tracer toutes. Ça vous permet de venir toutes les découper d'un coup. Ça vous évite de vous y reprendre en 50 fois. Allez-y doucement quand vous découpez. Le papier de la fée est très épais. Ça, c'est quelque chose de chouette pour travailler dedans. Ça vous permet de le faire. Si vous le faites avec une autre collection qui a un papier avec un grammage assez fin, je vous conseille de faire du coup très attention parce que
Sur un papier trop fin, quand vous allez venir faire vos encoches, il va plus se tenir à la fin. Il va, voilà, il va en pâtir. Donc là, mes encoches m'ont l'air pas mal. Je vais venir mettre du double face sur mes trois rabats. Alors, à l'intérieur, hein, pas de ce côté-là, mais à l'intérieur, puisque c'est là qu'on va venir le coller après l'avoir glissé dans notre encoche. Donc là, je mets mon petit bout de scotch. Je fais pareil pour les deux autres. Hop. Alors là, c'est vraiment du petit détail, mais c'est vraiment pour vous montrer comment venir le fixer pour ne pas avoir ces petits rabats pas très esthétiques, je trouve, qui dépassent. Donc là, tout simplement, je retourne mon papier, je vérifie que mes encoches sont bien découpées comme il faut sur la totalité. Je vais prendre une gomme tout de suite avant de venir coller, parce qu'une fois que j'aurai collé, ça va être moins pratique pour y faire. Oups, j'ai failli perdre la gomme en route. Voilà, je viens enlever les traces de crayon. Ça fait pas très joli des petits traits de crayon qui se baladent. Voilà. J'enlève les résidus de gommage, parce que c'est pareil, je ne veux pas que ça soit pris dans mon encoche, enfin dans mon collage. Et ensuite, je viens retirer, non, pas tout de suite. Je vais venir glisser ma première petite cascade à l'intérieur. Donc, vous la rentrez bien, vous vérifiez que c'est bien à plat. Hop. Ensuite, vous l'ouvrez, ce qui vous permet qu'elle se prenne vraiment la bonne position au niveau de sa pliure. Et ensuite, vous venez rabattre. Et avec votre plioir, vous venez bien mettre à plat et vous vérifiez, vous faites bouger un petit peu si besoin pour vraiment que ça vienne se glisser correctement dans votre encoche. Donc là, on est bon. Ensuite, il vous suffit de venir glisser les trois suivantes. Donc la deuxième. Hop. Donc pareil, on ouvre, ça permet qu'elle se mette à la bonne place et on vient rabattre et on remet son papier comme il faut. Et là, on met bien à plat. Et enfin, la dernière, hop, je vais la glisser comme ça. Alors, vérifiez toujours qu'elle ne s'est pas mise n'importe où, qu'elle ne s'est pas mise en biais, etc. Je viens ouvrir, donc vous entendez un petit squitch à chaque fois, ça veut dire qu'elle s'est bien mise au bon endroit. Il vous suffit après de tirer votre papier pour que lui vienne bien se mettre correctement à plat dessous. Et vous avez donc vos petits systèmes de cascade qui est fait. Et surtout, vous n'avez rien de qui dépasse à l'intérieur. Ensuite, pour celle version horizontale, verticale, pardon, je dis des bêtises. Vous allez venir faire la même chose, seulement moi je vous conseille, c'est ce que j'ai fait. Je vous remonte mon petit modèle d'exemple. Je les ai décalées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes à la même hauteur. C'est juste pour qu'on puisse les distinguer, pouvoir les attraper, les voir plus. Je trouve que c'est plus joli visuellement qu'elles ne soient pas alignées. Après, c'est une question de goût, vous pouvez les aligner si vous le souhaitez. Moi, je ne veux pas. Donc, je vais venir les positionner en hauteur pour voir à quelle hauteur j'atterris. Voilà, une comme ça, et une un peu décalée aussi sur l'autre côté. Et alors, je vous encourage à faire ce que je n'avais pas fait au début, j'ai failli me faire avoir. Il faut vérifier que du coup, elles dépassent. Sinon, vous n'allez pas les voir du tout. Moi, j'avais envie qu'elles se voient par en dessous. Donc, à la même hauteur que celle-là, par exemple, mais légèrement décalée sur le côté pour que vous puissiez les voir. Donc, ça va donner ceci. Alors celle-là, il faut que je la décale sans bouger l'autre. Voilà. Voilà, ça vous fait un léger décalage et ça vous permet du coup qu'on voie vos trois petites cascades du dessous. Donc là, je vais relever celle-là délicatement. Hop. Et je vais venir comme tout à l'heure. Ah, j'avais reperdu le crayon, j'allais dire non, mais là, c'est pas possible aujourd'hui. C'est le tuto du j'ai tout perdu. Donc là, je vérifie que je suis bien à la bonne hauteur. Qu'elle ne dépasse pas, je veux pas qu'elle dépasse en fait en dessous, en hauteur par contre, en largeur ça me gêne pas, mais pas en hauteur. Hop là. Donc là, je plaque bien, je vérifie qu'elle est bien droite et je viens tracer pour pouvoir faire ma petite encoche. Ensuite, je soulève celle-là, je viens prendre celle du dessous et je refais exactement la même chose. Ça a vraiment rien de compliqué, c'est juste que franchement, je trouve que ça rend beaucoup plus joli et qu'un système d'encoche.
Mais comme je l'ai déjà dit, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vous montre, je vous fais une proposition. Après, voilà, vous en faites vraiment ce que vous voulez. C'est juste que je trouve que esthétiquement, c'est plus joli. Vous n'avez pas ce petit rabat à l'intérieur. Alors oui, on peut l'habiller, etc. Mais pour moi, il existe toujours. Et vous savez que je suis un peu maniaque et un peu obsessionnelle pour certaines choses. Je n'aime pas quand il y a des petites choses qui dépassent. Ça m'est déjà arrivé de les laisser. Quand je travaille avec des fonds foncés, souvent, je les ai laissés. Je sais pas, ça me choquait moins. Par contre, avec des fonds blancs, je trouve que ça tranche trop et du coup, c'est pas joli. Donc là, on fait comme tout à l'heure, notre petit cutter. Hop. Et je vais venir. Alors après, je vais pas vous faire les quatre phages. Hein. Je vous le fais qu'une fois. Mais c'est pour vous montrer et qu'on puisse finir d'habiller le livret. Alors, je ne vois rien. Jusqu'où je dois aller, jusque là. Là, je suis en train de découper ma règle au lieu du papier. Voilà, là on est bon. En fait, j'y vois pas très bien avec la lumière. Je n'arrive pas à voir où sont mes traits. Hop. Alors là, ça va jusque là. Ok, là je le vois mieux. Alors si vous le faites sur un des papiers un peu plus foncés, je vous encourage à bien appuyer vos traits pour vraiment voir et pas vous tromper quand vous allez venir découper. Si vous la faites trop petit, bah, ce ne sera pas joli. Si vous la faites pas droite, pareil, ce sera pas très joli visuellement. Et puis surtout, si vous n'allez pas jusqu'au bout, le papier, ça va le faire gonfler. Du coup, ça se verra tout de suite qu'il y a un problème. Est-ce que je suis allée jusqu'au bout? Non. Hop, voilà. Ah! Alors, je viens de faire tomber sur ma chaise. Ma lame de cutter vient de se sauver. Je me suis piqué le mollet. C'est pas grave. Hop, allez, on va tout de suite finir d'assembler ça pour que je puisse vous montrer. Donc ça, vous aurez à le faire, vous l'aurez compris, quatre fois pour vos quatre pages d'intérieur de livret. Moi, je vous encourage vraiment à faire comme ça parce que visuellement, ça sera beaucoup plus joli. Mais vous faites comme vous le souhaitez. Donc là, pareil que tout à l'heure, hop, je rabats, je viens appuyer. Je glisse la suivante. Donc, il faut soulever à chaque fois. Puisqu'elles viennent se glisser les unes par-dessus les autres. Alors, ça peut arriver que vous ayez fait votre encoche trop petite. C'est pas très grave, ça. Si vous la faites trop grande, ça se verra peut-être un petit peu. Par contre, si vous la faites un petit peu trop petite, c'est absolument pas gênant. Vous pouvez venir retravailler. Vous voyez, là, je ne l'ai pas. Hop, je ne l'avais pas découpée comme il faut. Ça se sent tout de suite. Du coup, mon encoche, elle est pas, elle n'était pas assez étirée. Hop là, je n'arrive pas à enlever le scotch. Voilà, et comme d'hab, un petit coup de... Alors, vous voyez, je ne l'ai pas rentré assez. Faites bien attention que votre... voilà, qu'elle soit bien rentrée en plein jusqu'à la pliure, sinon c'est pas très joli visuellement. Alors, c'est pas dramatique, mais vous voyez, là, je l'ai collé un peu trop à ras. Après, s'il y en a une ou deux dans toutes vos casquettes qui sont un petit peu trop à ras, j'ai envie de vous dire que c'est pas dramatique sur les 24 qu'on a à faire. C'est pas très grave, ça ne se voit quasiment pas, hein. C'est pas vraiment pas très grave. Une fois que ce sera habillé, qu'il y aura le papier, ça sera beaucoup moins visible. Donc voilà, nos trois petites cascades sont là. Alors je ne l'ai pas collé, je ne l'ai pas mis très droite celle-là, j'ai l'impression que je me suis mis un peu en biais. Mais voilà, c'est pour vous, c'est un mode, c'est un pour vous montrer. Hein. Donc c'est pas grave, je ne peux pas non plus me permettre d'être hyper pointilleuse parce que sinon, ça va durer 5 heures. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à venir le coller à l'intérieur de votre livret. Donc mon livret, il est là. Et ensuite, vous venez le coller à l'intérieur comme ceci. Il ne vous restera plus du coup qu'à venir habiller vos petites cascades. Donc moi, hors caméra, je vais finir de faire toutes mes encoches, de fixer toutes mes petites cascades. Et je vais venir vous montrer voilà à quoi ça ressemble le mini une fois tout assemblé. Et surtout, on va regarder qu'est-ce que je peux voilà, vous donner des petites idées de déco, etc. Voilà, celle-là, elle s'est décalée aussi. Je vais donc essayer, voir si c'est possible de la décoller. Je ne suis pas sûre. Elle ne s'est vraiment, vraiment pas mise comme il faut, celle-ci. Je vais faire un carnage, je le sens. Non, ça va, ça se décolle bien. Donc, vérifiez bien à chaque fois. Ne faites pas ma bêtise à moi, voilà. Mettez-les bien à fleur. Pour que ce soit plus joli visuellement. Donc là, je vais reprendre mon petit plioir. Voilà, on voit le décalage déjà. Et là, on est beaucoup mieux. Et en plus, elle est moins de travers.
J'ai pas pensé à gommer. Pensez bien vous à le faire à chaque fois là. Parce que là, on voit un petit peu le tracé dans l'angle. Je vais peut-être essayer de redécoller celle-ci aussi si elle veut. Pour essayer de la mettre le plus droite possible. Alors comme c'est à l'arrière, on s'en fiche si ça la chiffonne un petit peu. C'est absolument pas grave puisque c'est sur la partie arrière. Alors, est-ce que je vais arriver à la rentrer en plein? J'ai l'impression que mon encoche, elle était un peu juste. Voilà, là, on est bon. On est vraiment sur le trait. Et on est nickel, comme ça fait plus joli. Celle-ci, ouais, je l'avais mis nickel. Donc voilà, maintenant, il vous restera, une fois que vous avez fait votre petit système d'encoche, à venir coller vos deux intérieurs à chaque fois et habiller. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour que je vous montre le mini une fois habillé avec les papiers et puis qu'on parle un petit peu déco, agencement de l'intérieur de l'album. Alors, comme je vous l'avais dit hors caméra, j'ai fini d'habiller ma structure d'album. Donc, voilà à quoi il ressemble une fois terminé. Alors, j'ai mis un rouleau de scotch double face à l'intérieur pour qu'il soit bien à la bonne épaisseur. Vu qu'il n'y a ni les photos ni les décos à l'intérieur, bah, du coup, il n'est pas rempli. Donc, quand on ouvre, on obtient ceci dans le premier livret. Donc, avec nos petites cascades qu'on a faites tout à l'heure qui s'ouvrent comme ceci. Voilà. Donc moi j'ai tout collé, j'ai juste habillé avec le papier. Je vous disais tout à l'heure, pour la déco, après ce que je vais faire, c'est que je vais mettre soit une photo de ce côté-là, non, de l'autre côté, je vais mettre la photo à l'arrière et à l'avant, je vais venir faire un petit montage. Alors, hop, j'avais préparé tout ce qu'il faut. Donc il y a les petits numéros sur une des planches d'étiquette de la collection. Alors je ne vais pas prendre le 1, je ne vais pas m'embêter à chercher le 1 pendant 2 heures. Je vais prendre la couleur qui vient. Ah, là, le chiffre qui vient. Donc dans l'idée, après, pour travailler mes petites pages, je vais prendre un des numéros. On a plein de petits cercles aussi sur une des planches d'étiquettes. Je perds mes mots. Voilà, donc je vais venir faire des montages avec petite étiquette, le numéro, un petit texte. Donc là, voilà, je vous montre, c'est pour vous donner un exemple. Vu que moi, je n'ai pas mes photos, que je ne sais pas encore ce que je vais faire, je ne vais pas m'amuser à y coller, c'est pour vous montrer un petit peu. Donc là, par exemple, prendre le temps de vivre, il est un peu trop long, mais c'est pour vous montrer un petit texte comme ceci. Et puis après, je vais venir faire un petit montage. Donc par exemple, si c'est le jour où j'ai fait la lettre au Père Noël, eh bien, je vais venir mettre ma petite boîte aux lettres comme ceci. Et peut-être, je ne sais pas, une petite étoile ou un petit poinsettia. Voilà, un petit poinsettia que je vais venir glisser sur ma boîte aux lettres. Et peut-être un petit feuillage, quelque chose. Alors celui-là, il est un peu long, mais voilà. Un petit feuillage que je viendrai glisser par en dessous, comme ceci, sur mon cercle. Voilà, dans l'idée, c'est ce genre de déco que je vais faire sur la face avant de chacune de mes petites cascades. Et au dos, on aura à chaque fois un montage. On aura à chaque fois uniquement une photo. Voilà, comme ça. Comme je ne peux pas vous le montrer terminé, au moins, je vous montre un peu comment je vais le travailler. Au niveau déco, je trouve que c'est plus sympa. Puis ça vous donne des idées. Voilà, pour si vous voulez en faire un avec la collection, vous montrer ce que vous pouvez faire avec. Et ensuite, voilà, donc on ouvre, on a notre premier livret avec au dos une partie où alors soit je vais mettre des empiècements photos, soit un montage décoratif, vous pouvez venir mettre des grands motifs dessus. Quand on ouvre de l'autre côté, on a à nouveau notre système de cascades. Alors là, on voit que c'est le premier que j'ai fait, elles sont un petit peu tordues. Bon, c'est pas très grave, hein, ça ne me choque pas, mais elles ne sont pas parfaites. Et ensuite, donc, on a à l'intérieur la petite pochette. J'ai fabriqué mon petit livret pour mettre les photos du 25 à l'intérieur. Voilà, je l'ai habillé avec des papiers de la collection. Alors, je vous l'ai dit, mon scotch fin, il ne colle pas des masses. Du coup, elle fait que se décoller. Il faudra que j'achète un scotch plus fort. Et dans la petite enveloppe, bon, comme je vous l'ai dit, vous pouvez y mettre des petites étiquettes, des cadeaux ou ce genre de choses en souvenir après les fêtes. Voilà, donc le mini, il ressemble à ça. On va juste faire ensemble la couverture. Je vais remettre mes petits rouleaux. Ah, mais j'en ai besoin pour coller après. Bon, c'est pas grave. Je me mettrai à plat, ça sera plus facile pour le travailler. On va s'occuper de la couverture de notre December Daily. Donc, je voulais utiliser... j'ai prévu de faire une création spécifiquement avec la... comment ça s'appelle? La cheminée, parce que vous avez été nombreuses à me la demander. Je l'aime bien. Donc, dans mon idée, voilà. Je veux faire quelque chose comme ça. Avec la petite boîte aux lettres ici. Un feuillage. Enfin, je le recoupe parce qu'il est beaucoup trop long. Qui va venir ressortir en bas et un qui ressortira en haut. Voilà, quelque chose comme ça. Le petit nounours assis sur sa cheminée avec une petite étoile derrière.
Là, je veux venir glisser ma petite voiture, comme ça, ma petite voiture de avec son sapin. Voilà. Ensuite, mon petit casse-noisette chouchou. Voilà, c'est vraiment mon tampon chouchou de la collection. Hop, ici. Là, à côté, alors je vais peut-être décaler un tout petit peu parce que ça va être trop au bord. Je veux venir mettre par en dessous de la boîte aux lettres, hop, ma petite boîte à musique sur laquelle je viendrai positionner ma petite danseuse, puisqu'elle est faite pour être mise dessus si on le souhaite. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut. Elle a son socle. Avec une petite étoile ici, un petit poinsettia sur le côté de ma. Un autre ici. Et une petite chaussette suspendue dans ma cheminée. Donc voilà, dans l'idée, c'est ce que je vais mettre à l'intérieur, sur le dessus de ma couverture d'album. Je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà, ça c'est pour notre petit tuto December Daily. Vous pourrez voir les photos, je vais les mettre après sur mes réseaux et aussi sur le groupe de la Fée du Scrap pour celles qui y vont. Vous pourrez voir donc la photo colorisée. Là, ça serait trop long. Je ne vais pas faire une vidéo d'une heure et demie non plus pour un tuto, même si c'est pour un album. C'était pour vous montrer comment je vais la décorer. Puis je vous invite à aller regarder sur les réseaux la version couleur par la suite. Voilà, maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors finalement, petit rajout des dernières minutes, j'ai colorisé ma couverture finalement tout de suite après, donc je me suis dit que j'allais vous la montrer. Parce que je me suis dit, s'il y en a qui ne me suivent pas sur les autres réseaux, vous ne pourrez pas la voir. Alors vous l'aurez en miniature de la vidéo, mais c'est quand même pas pareil. Donc je vous la montre colorisée d'un petit peu plus près. J'ai ajouté des petites touches de brillance avec des feutres pailletés, des stylos gel pailletés. Et le DD, du coup, j'ai embossé en bleu foncé et j'ai mis avec un stylo effet neige que j'ai acheté dans le bazar, que tout le monde connaît, pour faire un effet de neige sur les 2D. Donc voilà, comme ça vous aurez pu la voir quand même, je trouve que c'est plus sympa. Voilà, je vous fais à nouveau de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye!